Eh bien, Gurven, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tous les ans, aux Vieilles Charrues, il est important de se montrer, de se faire voir, pour une raison toute simple. C'est important de se repérer quand on est dans une foule aussi compacte. Regardez, où sont les Charlies ? Alors là, la perruque, c'est pour se retrouver. Mais aussi pour coller au thème. C'est ça, le coller au thème des couleurs et tout ça, des Vieilles Charrues. Vous avez perdu un pari ? Pardon ? Vous avez perdu un pari ? Non, on a gagné. Non, on a décidé de respecter toutes les couleurs des Vieilles Charrues 2011. C'est courageux. Et samedi, nous reviendrons avec les nouvelles tenues. D'accord. Bonjour. Il y a un gros travail, quoi. Oui, bon, un peu d'impro, on va dire. Je suis avec ma copine Céline, là. Ok. Et mon beau-frère Julien. On est un groupe d'amis et festival pour nous, c'est une religion, c'est quelque chose qui est important. Et on est là pour ça et c'est très important. Et nous, on est les Attends, c'est la Ligue des Justicières. C'est la Ligue des Justicières. Et ce soir, on arrose tous les gens d'eau pour les hydrater. Après le Tour de France à Carré, les maillots jaunes sont présents. Ouais, bien voilà, Gurven. Démonstration est faite qu'avec un peu de couleur, on peut toujours retrouver son chemin aux Vieilles Charrues.